Coucou, bonjour à tous. Alors, pour commencer cette vidéo aujourd'hui, je vais vous parler du code ami parce que vous êtes plusieurs dans vos commentaires à me demander comment il faut faire, etc. Bon, alors, il y a deux choses. Il y a le code ami les codes amis de la 3DS et comment avoir ajouté des amis dans le jeu Animal Crossing New Leaf. Alors, sur la 3DS, bon, d'abord il vous faut une connexion internet que vous paramétrez dans est-ce qu'il est mon truc? Moi j'ai mis là, voilà, là, dans paramètres de la console. Bon là, vous tapez ce qu'il faut. Je vais vous montrer ça rapidement. Voilà, paramètres internet, et là vous paramétrez votre connexion. Bon, si vous n'avez pas de connexion internet, vous ne pouvez pas avoir de code ami sur votre 3DS. Donc, ensuite, vous allez dans. Là, vous cliquez sur la petite icône là, en forme de tête orange. Bon, je suis désolée pour ceux qui savent déjà, hein, ça va vous paraître évident, mais comme j'ai eu pas mal de commentaires et de questions là-dessus, je fais un petit point avant de démarrer la vidéo Animal Crossing New Leaf. Donc, et là, vous faites ajouter un ami via Internet. Le mode local, c'est quand vous avez l'ami à côté et que ça vous évite de taper son code ami. Là, vous tapez son code et ensuite son nom. Si vous ne connaissez pas son nom, c'est pas grave, vous tapez un nom au hasard et après, lui, quand il va ajouter le vôtre, son nom à lui va se mettre automatiquement. Donc, pour que vous deveniez ami avec quelqu'un, il faut que vous rentriez son code et un prénom, et lui, il faut qu'il fasse de même. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait vraiment l'opération des deux côtés, sinon ça marche pas. Voilà. Pour ma liste d'amis personnels, donc voilà, donc je remonte mon code ami. Ça, là, je suis sur la 3DS XL rouge, j'ai pas encore déballé la rose. Pour l'instant, ma liste d'amis est complète. Donc, après, je vais peut-être faire je vais peut-être voir un petit peu s'il n'y a pas des gens que je vois jamais sur mes amis que je vais enlever pour en mettre d'autres. Parce que c'est quand même la console sur laquelle je joue le plus souvent. Donc, vous êtes nombreux à être sur ma liste d'attente. Donc, vous pouvez ajouter mon code ami. Si jamais je fais de la place, peut-être que je vous ajouterai voilà, sans vous prévenir, et comme ça, hop, en allumant votre console, vous verrez que je me suis rajouté sur votre liste. Si je décide de faire autrement, ben, je vous préviendrai dans une autre vidéo. Donc, je peux vous montrer déjà peut-être là les gens qui sont connectés. Donc, il y a Anto, Pauline, Axel. Alors, Axel, c'est sûr, je le garde parce que. Voilà, on communique souvent. Luffy aussi. Je vous ai fait une vidéo. D'ailleurs, Axel et Luffy, vous avez vu une vidéo avec eux. Mokori aussi. Mokori, je me souviens, c'était la vidéo Takati t'a quitté. Et live avec Mokori. Océane. Mathilde. Salut Mathilde. Insae. Melinda. Qui veut pas dire son nom. Et puis après, ben, ceux qui sont pas connectés. Voilà. Donc vous voyez, j'en ai 99. Là, il me reste une place. J'ai dû enlever quelqu'un. Dickstar, si tu regardes cette vidéo, redonne-moi ton code, s'il te plaît. Parce que tu m'avais dit que ça avait changé. Donc je t'ai enlevé, mais il faudrait que je te remette avec le nouveau code. Voilà. Bon, maintenant dans le jeu. Alors, on va quitter. Se remettre sur le home. On va revenir. Hop. On va revenir. Ah oui, tiens, j'en profite, je vois l'icône avec le courrier là. Alors, merci pour vos nombreuses lettres, c'est très sympa. Alors, juste un truc, je ne lis pas les lettres qui sont écrites, enfin, vous voyez, qu'une écriture invisible, j'essaye même pas de lire. Donc, s'il vous plaît, enfin, vous n'êtes pas nombreux, mais il y en a quelques-uns qui écrivent vraiment. Comme des cochons, comme on dit. Donc, appliquez-vous si vous m'envoyez du courrier, parce que franchement, je ne vais pas me fatiguer les yeux à lire des trucs qui sont scarabiscotés. Donc, faites un petit effort, s'il vous plaît. Voilà.
Alors, on y va. On part dans Animal Crossing. Allez. Alors autre chose, ouais, je suis en train de, ce matin, j'ai regardé un peu comment on pouvait faire des lives sur Twitch. Donc je vous donnerai mon... Je mettrai dans le lien de la description le nom de ma chaîne Twitch, qui va s'appeler d'ailleurs, enfin, je peux vous le dire déjà, Sunny Bob Live, tout accroché. Je pense que je ferai ma vidéo spéciale 500 abonnés FAQ avec ça. Et puis je pourrais faire des lives aussi, mais sur console. J'ai pas trouvé encore le moyen de faire des lives sur ma tablette avec laquelle je filme Animal Crossing New Leaf. Voilà. Alors, attends, je réponds à Mathilde. Non. Donc, pour les amis, bah en fait, comment je vais vous montrer ça? Quand vous jouez, et quand il y a d'autres, quand vous allez par exemple chez quelqu'un, ou quand quelqu'un vient chez vous, à un moment là vous verrez ici, il y aura une petite icône, et donc là vous cliquez dessus. Ben, je crois que... Bon, allez, on va aller chez... Alors, je suis désolée, Mathilde, je t'ai dit non. On va aller chez Fanny. Pour que je puisse vous montrer comment on ajoute. Voilà. Alors. Donc, on va aller à la gare. On va en profiter, on va plus... Il pleut, au fait. Impossible. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre... tiens, une autre chose là. Un autre fossile. Ça c'est quoi ça comme... Attendez. Alors, bon, je vais répondre. Ok. Allez, on va aller chez chez Fanny. Qu'est-ce qu'on va lui... Qu'est-ce que c'est ce truc-là? Des kakis. Est-ce qu'elle a des... On va lui demander si elle a des kakis. Et après, je vais vous montrer comment on fait. Tu as des kakis. D'accord.
Alors, attendez. On va lui offrir un kaki. Voilà. Donc, je fais mes petites bricoles. Et après, on va aller voir Fanny. Qu'est-ce qu'il y a là? Merde, un piège. Attendez, attendez que je regarde. C'est quoi ça déjà? Un tabouret. Bon. Bon, je fais mes petites bricoles et après on va refaner et je vous montre comment on ajoute des amis. Allez, j'arrive. Alors. Donc, je vais vendre ça et ça. Je vais en garder un pour Fanny. J'espère qu'il ne pleut pas chez toi. Ah bah, il n'y a plus que Fanny. Bon bah... Je sais pas, Mathilde, t'as dû partir. Oui, Fanny, ne t'impatiente pas, j'arrive. Bon, Mathilde, ce sera pour une prochaine fois. Désolée, tu vois, des fois, je change d'avis en cours de route. J'avais pas prévu de... Enfin, je pensais qu'on pouvait me montrer comment ajouter des amis sans être en ligne avec quelqu'un. Mais en fait, non. Donc, puisque c'est Fanny qui est connectée là, on va aller la voir. Oh putain, un petit cadeau. C'est sympa, on va aller voir ce que c'est. J'aime bien son petit drapeau. Bon, on va lui faire un petit cadeau. Alors. Oh, elle est toute mimi. Bon, moi, si je te fais des cadeaux... Alors, je te donne ça et ça. Merci. Non, alors, qu'est-ce que je fais là? Merci. Donc, je vais vous montrer maintenant. Sur l'écran du bas, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Donc, vous cliquez dessus.
quand vous cliquez sur une première fois sur le nom, ben, vous devenez donc amis. Et quand vous cliquez sur le cœur, vous devenez meilleurs amis. Ce qui est pas mal parce que du coup, quand vous ouvrez vos portes, vous ne pouvez. On vous demande quand vous ouvrez vos portes si vous voulez l'ouvrir que, les ouvrir que à vos meilleurs amis. Donc comme ça, vous êtes sûr de ne pas avoir des gens dont vous n'êtes pas sûr à 100% dans votre ville. Donc ça, je trouve que c'est une super astuce. Voilà. Donc j'espère que maintenant, vous avez bien compris à la fois comment on ajoutait des amis sur sa 3DS et comment on ajoutait des amis dans le jeu. Voilà. Bon, bah écoutez, qu'est-ce que tu nous... On va faire un peu de shopping peut-être et puis après, on va y aller. Ok, on y va. Shopping. Design. J'hésite. Non, parce que ça va pas dans mes couleurs, mais en même temps, je pense qu'on doit pouvoir écouter les disques de Kéké. Je vais écrire une lettre ou alors c'est dommage qu'on puisse pas faire des photos à deux. Enfin, je pense pas qu'on puisse faire à deux. Alors, est-ce que je peux écrire une lettre sur mes mains de papier à bulle? Il est où? Mais il est où mon papier? Ah oui. Ah bah voilà, écrire une lettre. Je vais écrire une lettre à Fanny. Alors, ravi. Deux. Merde, ce que j'ai fait. Partager ce moment avec toi. Aperçu. Ok. D'accord. Et donc là, je vais à la poste et je vais lui envoyer la lettre. Donc voilà comment on peut écrire une lettre à quelqu'un. Il faut être chez lui en fait. Enfin, à quelqu'un qui n'est pas du village. Envoyer du courrier. Ben oui. Ben oui, ben oui, ben oui. D'accord. Allez. Tiens, je vais aller voir si t'as des œuvres d'art. Ah,
T'as la Joconde. Photo. Allez. Cool. Bon, bah on va attendre l'ouverture des sœurs doigts de fée. Salut Luffy. Alors, je vais mettre c'est comme pour les soldes. On attend l'ouverture avec impatience. C'est ouvert, non? Ah bah c'est ouvert. Bah alors. Ça c'est joli, ça c'est quoi ça? Ouais, c'est un peu bizarre. Hein. Si j'en pense, non. C'est quoi ça? C'est un pantalon Père Noël, ça? Ah non, une short de boxe rouge. Allez, on va dans la pièce à côté. Le bec de canard, j'ai déjà les lunettes, la casquette, c'est manqué. Ok, bon bah écoutez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais dire que je vais y aller. Bon. Je vais rentrer. Alors, dans les vidéos prévues, il y a une vidéo, il y a je sais plus qui m'a demandé de faire une vidéo sur la maison de l'horreur, sur la ville de l'horreur, je sais plus. Donc, c'est prévu. Allez, merci. Plus, je sais pas où il y a le plus. Non, je suis contente de lui envoyer du courrier. Oui. Bah, alors, il est où mon cadeau? 7 tennis de table. Non, je vais le mettre, oui. Attendez. Ça y est. Allez, en route.
Bon ben voilà, bah écoutez, donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile et agréable. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!